Ông quỳ chỗ. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Sanlorn. Je m'appelle Anta Guissé, je suis co-avocat international de M. Chusampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Je vais essayer de faire des questions précises et je vous demande autant que faire se peut de répondre précisément à mes questions. Je vais tout d'abord m'intéresser à votre parcours et savoir d'abord jusqu'à quel âge vous êtes allé à l'école. Ma question était précise, savoir jusqu'à quel âge donc, vous avez été scolarisé. Vous êtes allé à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans. Est-ce que entre le moment où vous étiez en petite enfance à l'école primaire et le moment où vous avez terminé à l'âge de 20 ans, est-ce qu'il y a eu une période où vous avez arrêté? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que de la petite enfance, disons 6-7 ans jusqu'à 20 ans, vous êtes tout le temps resté à l'école. Donc, j'en conclus que vous savez bien lire et bien compter. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord avoir quelques précisions sur vos liens avec Tamok. Vous avez indiqué que vous étiez son beau-frère parce qu'il a épousé votre grande-sœur en prenant comme repère 1975. La date de la prise de Phnom Penh, est-ce que vous pouvez dire à quelle date Tamok s'est marié avec votre sœur? Je sais que ce n'est pas évident de se souvenir des dates précises à plusieurs décennies d'intervalle. C'est pour ça que je vous ai demandé
de prendre comme repère la date de la prise de Phnom Penh. Est-ce que, dans votre souvenir, ce mariage a eu lieu avant la prise de Phnom Penh et le moment où le Kampuchea démocratique a été installé dans l'intégralité du pays? Ou est-ce que c'était après? Je vous remercie de cette précision. Je voudrais également, toujours en prenant ce repère-là, savoir quand vous avez commencé à être messager du district de Tram Koh. Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après la prise de Phnom Penh? Vous avez évoqué plusieurs personnes qui travaillaient au comité de district de Tram Koh. Vous avez parlé de Yekom, la fille de Tamok. Vous avez également parlé de Pechim en disant qu'à un moment, Pechim a succédé à la fille de Tamok. Ma question est de savoir, est-ce que avant d'être lui-même chef de district de Tram Koh, est-ce que Pechim travaillait auparavant à ce même district, à un autre poste? Mais est-ce que avant qu'il reprenne le poste de Khom, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Et à quelles occasions l'aviez-vous déjà vu? Et où? Et ces réunions, elles se tenaient au bureau du district? Est-ce que, avant qu'il soit chef de district, quand il occupait ces fonctions qui l'ont amené à assister à des réunions avec des responsables de communes, est-ce que vous avez personnellement travaillé pour lui? Vous avez indiqué tout à l'heure que, quand vous étiez messager particulier de l'ECOM, vous aviez aussi du travail qui vous était confié par d'autres personnes. Est-ce que Tachim faisait partie de ces autres personnes qui vous confiaient du travail? Bah,
Peut-être que je me suis mal exprimée. Quand je vous parle de tâches, je ne parle pas de tâches différentes de votre poste de messager. Est-ce qu'il vous a utilisé comme messager à un moment ou à un autre avant qu'il ne devienne lui-même responsable du district? Et toujours en prenant pour repère la prise de Phnom Penh, est-ce que vous vous souvenez si un Pinchim est devenu responsable de district à la place de Yekom avant ou après la chute, la libération de Phnom Penh? Mon. Au niveau du district, toujours, je voudrais savoir si le nom de Chay, et à l'attention des interprètes, en français, ça s'écrit C-H-A-Y, vous dit quelque chose. Chay, C-H-A-Y. Chay. Chai. Bà lâu xa xây cái chú mua chai. Bà chai nhầm xí quà. Chai ọt xí quà. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle fonction il occupait au bureau du district? Nó càng khùng. Et savez-vous ce qu'il faisait à la commune? Quand vous êtes dans le khùng, non? Khùng, c'est quoi? Vous êtes dans le thiên khùng. Dans le khùng. Et de quelle commune s'agissait-il? Krom Maidalo. Krom Nam Nak Trai. Toujours sur le district de Tram Koc. Tout à l'heure, mon confrère Copé vous a parlé d'une personne qui s'appelait Ek Eun ou Ul Eun. Vous avez indiqué ne pas connaître cette personne. Est-ce que
Vous êtes sûr que ce nom ne vous dit rien? Ek-un ou Ul-un? Il a pu répondre à ces deux noms. Quand même, je m'en prie. Vous ne l'avez donc pas dans vos souvenirs comme une personne ayant occupé un poste au sein du district de Tramcock, c'est bien ça? Je n'ai pas eu de traduction à votre réponse. Je recommence, que je crois qu'il y a un problème. Je vous demandais si vous êtes sûr que Ul-un n'est pas un nom qui vous rappelle quelque chose comme une personne ayant eu un poste au comité de district de Tramcock. Oui, c'est exact, le nom ne vous dit rien. C'est bien ça. Vous avez évoqué la présence de Pichim au comité de district à différentes fonctions et notamment responsable du district. Il a témoigné devant cette chambre. Je voudrais savoir si vous vous souvenez d'un programme d'échange dont on aurait parlé à l'époque entre Khmer Krom vivant au Vietnam et Vietnamiens vivant au Cambodge. Vous avez évoqué tout à l'heure et vous l'avez confirmé à Monsieur le co-procureur national, votre implication sur le transport de Vietnamiens pour rentrer au Vietnam, mais est-ce que vous avez parlé vous avez entendu parler de façon plus générale d'un programme d'échange? Pour rappel, à l'audience du 24 avril 2015, document E1-292.1, c'est donc l'audition, la déposition plutôt de Pek Chim, un petit peu après 10h08. Et 23 secondes, il indique la question des Vietnamiens a été résolue lorsqu'il y a eu l'échange pour que les Vietnamiens retournent au Vietnam. Encore une fois, monsieur le témoin, est-ce que une question d'échange, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le fait qu'il y a eu un échange?
En ce qui concerne Pechim, toujours, est-ce que vous vous souvenez combien de temps il est resté comme responsable de district de Tramcock? Est-ce que vous vous souvenez si, à un moment ou à un autre, il a quitté ses fonctions? Sans avoir de tableau complet, est-ce que dans vos souvenirs, est-ce que vous vous souvenez si, lorsque vous êtes parti en formation à Battambang, si Pechim était toujours présent à Tramcock ou s'il avait été affecté à un autre endroit? នៅបាត់ដំបងគឺខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនដឹងជាគាត់នៅធ្វើជាលេខាស្រុកដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំទៅរៀនបាត់ហើយទៅរៀនបាត់ដំបង Mais ma question elle est différente. Ma question elle est de savoir, au moment où vous êtes parti à Battambang, est-ce que Pechim était toujours en poste à Tramcock? Pechim n'est pas en poste à Tramcock. Ah, non, non, non. Il L'attention des parties et du témoin également à l'audience du 24 avril 2015, document E1-292.1. Je vais d'abord citer les transcripts. Un petit peu avant 9h24, on confronte le témoin Pechim à une déclaration intérieure dans laquelle il dit qu'il est arrivé dans la zone centrale en février 76, enfin plutôt en février 77, et à l'audience il confirme, il dit j'aimerais amender, c'était le 14 février 76. Dans les deux cas, monsieur le témoin, est-ce que la date de février 76 ou février 77 vous rappelle quelque chose par rapport à votre départ à Battambang? Vous dites que vous êtes parti, quand vous êtes parti à Battambang, Pechim était toujours en poste. Je vous ai lu une partie de sa déposition à la barre devant cette chambre, dans laquelle il indique que lui, il a quitté son poste de Tramcock en février 76. Ma question est de savoir, est-ce que cette date vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça peut être un élément qui vous rafraîchit la mémoire par rapport à votre départ à Battambang? Ça, j'ai bien compris que vous êtes parti à Battambang. En fait, ma question, c'est vous permettre de réagir. Pechim est venu déposer devant cette salle d'audience et lui, il a indiqué qu'il a quitté Tramcock en février 76. Vous-même, vous avez indiqué que vous êtes parti à Battambang au moment où il était encore en poste.
Donc, je voulais savoir si cette date, telle que Pechim l'indique, vous aide à vous rafraîchir la mémoire par rapport à votre date de départ à Battambang. Si ça vous rappelle quelque chose, pas de problème. Si ça ne vous rappelle rien, vous le dites également. បាទលោកមិននឹកមិនឃើញទេមិនអីទេលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកនឹកមិនឃើញទៅបាទខ្ញុំនឹកឃើញUn point que je voudrais préciser avec vous, est-ce que durant la période où vous avez eu des fonctions dansle district de Tramcock et après la chute, enfin la libération de Phnom Penh, est-ce que vous avez utilisé un alias en dehors, de votre nom Sanlorn? Mồi. J'en viens maintenant aux quatre jours au cours desquels vous avez transporté des personnes par camion. Vous avez répondu à un certain nombre de choses à M. le juge Lavergne. Vous avez, en confirmant ce que vous aviez dit d'ailleurs aux enquêteurs des couches d'instruction, que dans ces camions, il n'y avait que les personnes qui étaient transportées et qu'elles étaient transportées avec leurs affaires personnelles. Ma question, c'est est-ce que vous vous souvenez, là je ne vous parle pas de l'année exacte, mais de la période de l'année, à savoir de la saison à laquelle ce transport s'est déroulé dans votre souvenir. Est-ce que c'était la saison des pluies? Est-ce que c'était une autre saison? Vous avez indiqué que vous aviez un grand camion et que ce camion pouvait transporter entre 50 et 60 personnes. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? J'ai compris également que vous aviez été récupérer des gens dans différentes communes, que selon la taille des communes, vous avez fait un ou parfois deux voyages. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? J'en reviens au témoignage de cette personne dont vous ne vous souvenez pas, Ul Hun, alias Ek Hun. Et c'est lui qui, la première fois, a dit que vous auriez transporté le nombre de 9000 personnes. Et il a indiqué que c'est ce nombre de 9000 personnes aurait été donné par vous. Vous m'avez répondu lorsque je vous ai posé des questions sur votre éducation, que vous avez été à l'école jusqu'à 20 ans et que vous saviez bien compter. Est-ce que c'est raisonnable en fonction du chiffre que vous nous avez donné sur les quantités de personnes qui pouvaient être dans le camion, de dire qu'en 4 jours, vous avez pu transporter 9000 personnes? Bah,
ដឹកចំនួនមនុស្សទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងចំនួនថាd'accord, mais sans connaître le chiffre exact, vous nous confirmez que votre camion pouvait transporter 50 à 60 personnes et que vous avez travaillé pendant 4 jours. Est-ce que nous sommes bien d'accord? De la liste que vous avez donnée ce matin de communes, il y avait à peu près un nombre de 6 communes dans lesquelles vous dites avoir récupéré des personnes. Est-ce que vous vous souvenez si dans une journée, il vous est arrivé de récupérer des gens dans plusieurs communes? Peut-être que ma question est trop compliqué, je vais la poser différemment, je vais essayer de la découper sa tête. Plus simple. Est-ce que dans votre souvenir, vous avez récupéré des gens le matin dans une première commune et d'autres gens l'après-midi dans une autre commune? Est-ce que ça correspond à comment vous aviez organisé le transport de ces personnes à cette époque-là? Donc ma question est la suivante. Est-ce que durant ces 4 journées vous avez travaillé, vous êtes allé pendant une journée dans plus de 2 communes? Est-ce que vous pouvez indiquer dans combien de communes, si vous vous en souvenez, vous êtes allé la première journée? Pas de problème, je comprends. Mais est-ce que nous sommes d'accord que vous n'aviez qu'un seul camion et que il n'y a que vous? Quand vous deviez faire des allers-retours, c'était toujours avec ce même camion que vous faisiez des allers-retours à une commune? ឡាននឹងមានខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាអ្នកបើកប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតជាអ្នកទៅជាមួយសម្រាប់ហៅថាម៉ាប់មើលឡានថៃឡានជាហៅថាប្រូនឡានជួយការងារ
េលឡានខូចជួយគ្នាអញ្ចឹងដល់ D'accord mais dans le même véhicule បាទអញ្ចឹងព្រូឡានហ្នឹងនៅក្នុងឡានជាមួយនឹងលោកដែរមែនទេណានៅជាមួយគ្នាJe voudrais que vous indiquiez, vous avez indiqué tout à l'heure, répondant aux questions, je ne sais plus si c'était de M. le juge Lavergne ou M. le coprocureur, vous avez indiqué que lorsque vous aviez déposé les gens auprès du responsable de le chef de la milice de district, qu'ensuite vous rentriez chez vous, à quelle distance se trouvait votre domicile ? De l'endroit où vous aviez déposé les personnes que vous aviez transportées. Je voudrais maintenant m'intéresser à votre fonction de messager. Vous avez indiqué que vous avez été messager de Yekom et plus généralement du comité de district. Vous avez évoqué dans ce cadre un certain nombre de réunions qui se sont déroulées au district avec M. le procureur international. Je voudrais d'abord m'intéresser aux réunions auxquelles vous avez participé en tant que messager. En tant que messager, à quel type de réunion participiez-vous ? លោកជាអ្នកសារនឹងលោកអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំណាខ្លះបានហើយចូលរួមនឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរបាទក្នុងឋានៈជាអ្នកសារនេះមិនអាចចូលរួមប្រជុំជាមួយអ្នកស្រុកបានទេDonc, lorsque vous avez évoqué des réunions qui se déroulaient au district, ce ne sont pas des réunions auxquelles vous avez participé. Vous avez parlé de réunions entre Tamok et le responsable de district. Nous sommes d'accord que vous n'avez jamais participé à leur réunion, c'est bien ça ? Vous n'avez jamais participé à leur réunion ? Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la question ? Nous ne l'avons pas entendu dans la traduction. Votre réponse, pardon. Ma question était de savoir, lorsque vous avez évoqué un certain nombre de réunions avec M. le coprocureur entre Tamok et le responsable du district, je voulais être sûr que vous me confirmez bien que vous n'avez vous-même jamais participé à ces réunions. Je voulais être sûr que vous me confirmez bien que vous n'avez vous-même jamais participé à ces réunions. Vous avez également évoqué des réunions de Pechim avant qu'il soit responsable du district avec des responsables de communes. Est-ce que vous avez participé à une quelconque de ces réunions ?
Et avez-vous assisté à des réunions de communes? Vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur national la période avant 1975. Il me semble que c'était 71-72 où vous avez été responsable, je ne sais plus si de village ou de commune. Est-ce que vous confirmez avoir occupé cette fonction? Et est-ce que dans le cadre de cette fonction, vous avez assisté à des réunions? Et à partir du moment où vous êtes devenu messager au comité de district, est-ce que vous avez continué à avoir des responsabilités au niveau du village? Est-il exact de dire que dans ces conditions, en votre qualité de messager, vous n'avez plus assisté à aucune réunion ni de village, ni de commune, ni de district? Vous avez évoqué un certain nombre de points avec mon confrère Copé et ensuite avec monsieur le coprocureur international au sujet des ex-soldats de l'ONOL. Est-ce que vous vous souvenez de façon général, s'il y avait une différence sur la conception des soldats de l'ONOL avant la libération de Phnom Penh du 17 avril 1975 et après? Est-ce que vous vous souvenez, avant avril 1975, du conflit armé qui avait cours entre les soldats de l'ONOL et l'armée de libération? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que dans le cadre de votre rôle de chef de village, vous vous souvenez s'il y avait des soldats qui venaient s'approvisionner dans votre village dans le cadre du conflit armé, d'un conflit armé? Là, là, mà rồi biến cứ
thể hiện khang lột nó à lột nó thể hiện mà rò biêng mà rò hay đằng Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle date vous situez cet événement, si vous en souvenez? Et est-ce qu'à cette période-là, il y avait des responsables qui sont par la suite devenus des responsables Khmer Rouge qui étaient déjà dans votre région? J'en reviens à Tamok et au fonctionnement de Tamok par rapport au district de Tramcock. Vous avez indiqué qu'il avait un messager du nom de Thuy et répondant aux questions de Monsieur le coprocureur, vous avez indiqué que c'est par le biais de Thuy que Tamok envoyait ses ordres. La première question à ce sujet est la suivante. Est-ce que lorsque Thuy venait apporter des messages au district, vous aviez connaissance du contenu des messages qui étaient envoyés? Donc, quand vous dites que Tamok envoyait des ordres, vous-même, vous ne savez pas quels étaient les types d'informations qui étaient à l'intérieur de ces messages. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est Tamok qui donnait l'ordre des arrestations, puisque vous ne savez pas ce qu'il y avait à l'intérieur des messages qui étaient envoyés au district? Là, vous dites cela, mais tout à l'heure, lorsque je vous ai posé des questions sur les réunions qui se déroulaient, que ce soit au niveau du village, de la commune, du district, à partir du moment où vous étiez messager, vous m'avez indiqué que vous n'avez plus participé aux réunions. Dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez savoir quelles étaient les fonctions, enfin plutôt les rôles, ou quelles étaient les autorisations de chacun si vous ne participiez pas aux réunions?
Vous avez indiqué donc ne pas vous souvenir de Oul Eun. Je voudrais vous lire ce qu'il a indiqué devant cette chambre en disant qu'il vous avait parlé. C'est à l'audience du 8 mai 2015. Et c'est entre 11h02 et 11h04. Voilà ce qu'il dit. J'ai rencontré Lorne, ce beau frère cadet, et je me souviens de Moï. Pour précision, il évoque le transport de personnes, lui dit de Vietnamiens. Il dit, j'ai demandé de combien de personnes il s'agissait. Il a répondu, et là il parle de vous, qu'il s'agissait de 9000 personnes ou bien de 9000 familles. Fin de citation. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'où venait ce chiffre. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce chiffre-là. Ma question est donc la suivante. Est-ce que, oui ou non, vous vous souvenez avoir discuté avec un certain Ek Eun ou Oul Eun et lui avoir dit que vous aviez transporté 9000 personnes? Ce même Ce même Ek Eun, à l'audience du 7 mai 2015, PV d'audience E1-298.1, parle de la personne dont vous auriez reçu des instructions. À l'audience aujourd'hui, vous avez indiqué, comme vous l'avez dit d'ailleurs, devant les coachs d'instruction, vous avez évoqué un certain pic en disant que vous auriez reçu des instructions de sa part. Voilà ce que dit Ek Eun ou Oul Eun. Il dit, il n'a pas reçu les instructions de Tamok ou du secteur, mais de Tat Chai. Est-ce que, dans votre souvenir, monsieur le témoin, c'est Tat Chai ou bien Pi qui vous a donné des instructions à l'époque? Et Tat Chai
dont vous avez indiqué qu'il a été responsable de commune. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il vous a adressé une quelconque instruction dans le cadre de votre travail au bureau de district? Est-ce que vous avez pu, est-ce que dans votre souvenir, vous avez eu une discussion avec Ik Eun ou Leun ou n'importe qui d'autre où vous avez dit que vous avez reçu des instructions de Tachai? Un dernier point sur la question de votre formation. Vous avez indiqué que vous êtes parti de Tramcock pour aller à Battambang. Vous avez indiqué que c'était sur ordre de Tamok que vous êtes allé suivre cette formation. Est-ce que vous vous souvenez par qui cette formation a été dispensée? Et est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre sur quoi portait cette formation? Vous, sur un autre point, vous avez évoqué votre travail en tant que chef de village. Est-ce que vous vous souvenez si à Tramcock, les Khmer Rouges, on dirait entre guillemets, sont arrivés longtemps avant le 17 avril 75, date de la libération de Phnom Penh, ou seulement quelques temps avant? Est-ce que vous situez la période un an, deux ans, trois ans avant la libération de Phnom Penh? Est-ce que vous vous souvenez, ça c'est un dernier point que j'ai omis de préciser, est-ce que vous vous souvenez dans le cadre de votre travail de transporter des personnes, comme vous l'avez indiqué, en dehors de ces quatre jours, est-ce que nous sommes d'accord que vous n'avez jamais effectué d'autres transports? Vous avez indiqué
ne pas vous souvenir du programme d'échange. Vous avez indiqué en revanche vous souvenir de ce moment où les Vietnamiens sont retournés, en tout cas où vous avez entendu dire qu'ils retournaient au Vietnam. Est-ce que, sans vous souvenir du programme d'échange, vous vous souvenez s'il y a des personnes qui sont arrivées dans la coopérative de Tram Coc et qui venaient d'autres endroits à l'extérieur de Tram Coc? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des gens venir après le départ de personnes que vous avez transportées dans les camions? Un autre point, on vous a posé la question à deux reprises, je crois, sur le fait de savoir si vous aviez revu les personnes que vous aviez transportées dans les camions. La question que je vous pose maintenant est de savoir, est-ce que parmi les gens que vous avez transportés dans les camions, vous en connaissiez certains? Est-ce que vous en aviez déjà vu auparavant? Donc, lorsqu'on vous pose la question de savoir si vous avez revu ces gens, en fait, vous confirmez que vous ne les connaissiez pas. Est-ce que vous aviez une raison particulière de revoir des gens que vous ne connaissiez pas? Mais vous me confirmez que vous ne les connaissiez pas de toute façon avant. Monsieur le coprocureur, au début de son interrogatoire, vous a posé un certain nombre de questions en vous disant que vous aviez, dans le cadre de votre interrogatoire devant les devant les enquêteurs des couches d'instruction, dans un premier temps, vous n'avez pas collaboré spontanément puisque vous indiquiez que vous ne vous souveniez pas de ce qui s'était passé. Vous avez répondu que vous aviez peur à l'époque, et je crois que devant les enquêteurs des couches d'instruction, vous avez dit parfois que la mémoire vous ne revenait pas particulièrement bien. Ma question est la suivante. Est-ce que aujourd'hui, vous avez répondu au meilleur de vous souvenir, ou est-ce que vous dissimulez des choses? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Mon confrère Consamon n'en a pas non plus.
បាទខ្ញុំក្រោយផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិការពីក្តីលោកជំនួនជាបាទដើម្បីមានឱកាសសួរសំណួរចុងក្រោយចំពោះសាក់សៃនេះបើសិនមិនមានសូមអញ្ជើញMr. President, all my questions have been asked, so I have no more questions. Look, President, I'm sure some no eye, which I'm laying with some no issue, did I some okun? Bah, okun. Samnaka, let me know, Bill Tun Rahai, on behalf of Akanaka, Samnaka, Rapanitramni, Samnaka, little but daughter, who knows my chan, the Muikai compared to Nambi Pond of a Mui, chap down be mount for Bun Brook, I Samnaka, let my chan.សម្រាប់ក្រោយនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សៃដែលមានថាធានាម PTTW 889និងមានសាក់សៃបំរុងមួយរូប PTTW 1008សូមពីគីជ្រាបនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយអង្គជំនះសូមអរគុណលោកសានឡនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនះក្នុងឋានៈជាសាក់សៃក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះតកិច្ចការមកលោកនឹងអាចរួមមកភាកទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះឥឡូវនេះលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់រំលឹកឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកមានជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនរមួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកសានឡនបើត្រឡប់ទៅកាន់រំលឹកឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយប្រកបអនរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទៅពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវកបញ្ចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនក៏ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកជាកំណត់សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញគ្រប់ចុះ